Un an plus tard, sous la pinède, le berger Nicolas garde encore ses moutons. Et voici la confrérie qui revient encore une fois de la fête Dieu. Mais les moines sont vêtus de robes neuves. Ils ont la joue pleine et l'œil brillant. Une troupe d'enfants les accompagne. L'abbé, qui vient le dernier, est aussi beau qu'un évêque et sa mitre étincelle au soleil. Il a rajeuni de 10 ans. Le cortège s'éloigne. Les enfants chantent et l'on découvre l'abbaye dont la façade restaurée brille au soleil. Dans la cour qui est entourée par le cloître remis à neuf, les moines et les enfants s'alignent en rang devant une estrade sur laquelle est monté le père abbé qui prend la parole. Et maintenant, il nous reste encore un quart d'heure pour célébrer devant vous une petite cérémonie à laquelle il est juste que vous assistiez. Révérend père, donnez-moi ma mitre et ma crosse. La renaissance de notre abbaye et l'efficacité de son œuvre, dont ses enfants sont la vivante preuve, tout cela est dû au zèle et au dévouement de tous. Mais rien n'aurait eu lieu sans la science, l'ingéniosité et le sacrifice quotidien de l'un d'entre nous. Cet homme, c'est le frère Gaucher. Frère Gaucher, sortez du rang. Venez vous placer devant nous, car nous avons à vous parler. Le frère Gaucher, effaré et stupéfait, quitte les rangs et vient se placer devant l'abbé. Frère Gaucher, ce matin, le chapitre s'est réuni. Nous avons parlé de vos mérites que nous désirons récompenser. Nous n'avons pas le droit, d'après les règles de notre ordre, de vous élever à la dignité de père, ni de vous conférer les prérogatives sacerdotales. Mais il nous est permis de vous donner ce titre et de vous autoriser à porter la robe blanche de Saint Norbert. Frère Gaucher, je vous donne ce nom pour la dernière fois, car vous êtes désormais le révérend père Gaucher de la confrérie de Saint-Michel de Frigolet. Les frères, revêtez notre frère de la robe de Saint-Norbert. 3 moines s'emparent de sa personne et l'habillent de la robe sacrée. Le visage couvert de larmes, il s'agenouille devant le père abbé et baise le bas de sa robe. Révérend père Gaucher, recevez ma bénédiction. Le révérend père Gaucher sanglote, se lève tout à coup et prend la fuite. Où allez-vous, mon révérend père? À la chapelle, mon père, pour remercier Dieu de votre bonté. Le père abbé frappe dans ses mains. Récréation!